Très bien. On va commencer avec la prière des Ashtanga, les mantras de commencement. Si vous ne connaissez pas ces mantras, vous pouvez tout simplement les télécharger en YouTube, en Spotify ou me suivre. On se place dans cette position, Tadasana, on peut joindre les mains dans la poitrine. Prendre un instant pour se concentrer. Inspirez profondément. Expirez. Revenez ici et maintenant dans votre corps, dans vos émotions, vos pensées. Observez votre état. Et inspirez à nouveau. Expirez. Inspirez pour chanter. Vande Gurunam Charanaravinde Sandarushita Swatma Sukhavavode Nishreya Sheyangalikaya Mane Samsara Halla Halla Mohashantyae Avahu Purushakaram Chankachakrasi Darinam Sahasra Sirasham Shvetam Pranamami Patanjalim. On va maintenant se concentrer sur la respiration. La respiration Ujjayi est une respiration qui réduit les débits de la respiration, qui ralentit la respiration. Donc, on va mettre quatre doigts en contact avec la gorge et la semi-fermer. On inspire. On expire. Inspirez. Cette respiration va être maintenue pendant toute la pratique. Vous l'entendez légèrement, elle est sonore. Vous entendez peut-être d'autres bruits de ma maison, ma machine à laver, mes voisins. Mais concentrez-vous surtout sur la respiration. L'ashtanga traditionnellement ne se pratique pas en musique. Il se pratique comme un vinyasa, très concentré sur la respiration. On va commencer avec Surya Namaskar A, 5 répétitions, et Surya Namaskar B, 5 répétitions. J'ai deux briques et une sangle pour mes ajustements. Vous pouvez travailler avec ou sans, je vous donnerai plusieurs ajustements possibles. Donc, je vais déjà les préparer ici. Et hop, laisser ma sangle au milieu. Pour commencer, je me déplace au début de mon tapis, j'active la ligne entre mes jambes, Mulabandha, les muscles du périnée, Uddiyanabandha, les muscles de la cavité abdominale, les sphincters activés, Jaladharabandha, on rentre la gorge légèrement vers l'arrière, inspirez ici. Imaginez que vous êtes en train de vous ancrer au sol et revenez à chaque position, à chaque fois qu'on revient à cette position, revenez à cette sensation aussi, à la position de Tadasana et de ancrage. Tadasana, ça veut dire la montagne. Inspirez. Urdhva Hastasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Ardha Uttanasana, expirez, pliez les genoux si besoin, essayez de sauter en portant votre bassin vers le ciel. Chaturanga Dandasana, inspirez, Urdhva Mukha Svanasana, expirez, Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps de vous installer dans la position et de porter le poids plus vers les mains, plus vers les talons. Pliez les genoux si besoin. 2,
3, 4, 5. Inspirez, pliez vos genoux et sautez entre vos mains. Expirez ici, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Samasthitihi, Uttanasana. On va la répéter encore 4 fois. Une fois, je vais la guider. Et 3 fois, je vais tout simplement vous mentionner les positions pour que vous pratiquiez toute seule. On inspire. On expire. Inspire. 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 Expire. Super, c'est à vous. Maintenant, 3 salutations à votre rythme. Vous pouvez appuyer les genoux en Chaturanga Dandasana. Ici, pour descendre. Il y a d'autres vidéos dans mon canal qui expliquent plus en détail la salutation A et la salutation B. Donc, c'est parti. Inspirez, Urdhva Hastasana, bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana, bras vers le sol. Inspire devant. Expire, saute en arrière. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Et deux. 3, 4, 5, inspire, plie les genoux, saute entre tes mains, expire, Uttanasana, inspire, Adho Uttanasana, et Urdhva Hastasana, expire, Samasthitihi. Encore une fois avec moi, très bien, je l'ai fait de l'autre côté, inspirez. Et une dernière fois, vous-même. Inspire. Expire vers le sol. Inspire, je garde devant toi. Expire, saute en arrière. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. 5 respirations ici. C'est ça qu'on appelle Avinyasa, cette transition. 3, 4, 5. Inspire, saute entre tes mains. Expire, visse aux genoux. Inspire, Urdhva Hastasana, les bras vers le ciel. Expire, Samasthitihi. Bravo, vous avez accompli les 5 salutations A. On va commencer avec 5 salutations B. Surya Namaskar B. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas la langue sanskrite. Et si vous ne comprenez pas non plus le nombre de respirations, Ashtanga est une pratique de répétition. Donc l'important, c'est de répéter très souvent les mouvements et ils vont rentrer peu à peu. La première fois que j'ai commencé à parler français, je ne parlais pas parfait. Même aujourd'hui, je ne parle pas du tout parfaitement. Mais l'important, c'est de comprendre la pratique, que le corps comprend la pratique aussi. Surya Namaskar B. Salutation au soleil. Inspire, active ton nombril, remonte tes bras. Si possible, lève un tout petit peu tes talons pour descendre plus et garde ton bassin
En interrogation. Expire ici. Inspire. Regarde devant toi. Expire. Vinyasa. Chaturanga. Urvamukha. Ah, donc. Inspire, jambe droite vers la poitrine. Change ton pied postérieur à 45 degrés ou un tout petit peu plus vers l'intérieur. Inspire ici. Virabhadrasana. Expire. Chaturanga. Urvamukha. Ah, donc. Inspire, jambe gauche vers la poitrine. Change ton pied gauche. Virabhadrasana. Expire ici. Chaturanga. Urvamukha. Ah, donc. 5 respirations ici. 1. 2. 3. 4. 5. Inspire, plie les genoux, saute entre tes mains. Expire. Inspire, plie les genoux à nouveau. Utkatasana. Expire, samastitihi. Ça y est, on va la répéter encore 4 fois. On va essayer de rentrer surtout dans la respiration. On va se concentrer dans la respiration. Donc maintenant, je vous indique seulement la respiration. Inspire. Expire. 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 Si on respire de cette façon et peu à peu on invite la sangle abdominale à travailler, on ne sera pas du tout essoufflé. Vous voyez que je suis capable de parler, même au même temps, ça veut dire, oui, que j'ai de la pratique, mais aussi, ça veut dire que c'est possible si on maintient la respiration constante. Allez-y, c'est à vous, inspirez, Utkatasana, position de la chaise, expirez, Uttanasana, flexion en avant, inspire, regarde devant toi, expire, Uttanasana, bisou, genou. Inspire, regarde devant toi, expire, saute en arrière, vinyasa, chaturanga, urvamukha, adho mukha, inspire, jambe droite vers la poitrine et passage à virabhadrasana, inspirant toujours ici, vous pouvez le faire un tout petit peu plus lentement, ne vous essoufflez pas, expire, appuie ton pied derrière, et vinyasa, chaturanga, urvamukha, adho mukha. Inspire, jambe gauche vers la poitrine. Virabhadrasana. Expire, vinyasa, chaturanga, urvamukha, adho mukha. 5 respirations ici. Inspire, reviens vers l'intérieur. 2, active Mulabandha. 3, relâche les articulations et pousse ton bassin vers le ciel. 4, inspire à nouveau. Expire, plie les genoux. Inspire, saute entre tes mains.
respire ici, plie-toi vers les jambes, Uttanasana. Inspire, Utkatasana, position de la chaise à nouveau. Expire, Samastitihi. Bravo. Troisième fois. On va les faire encore une fois ensemble et vous les faites une dernière fois par vous-même. Très bien. Je vais les faire de cet côté. Inspire. Expire. Super. Petite précision, les drishti, le regard suit le mouvement. Quand je suis ici un peu en bas, je vais les porter vers le nombril. C'est un peu difficile, surtout si on essaie de regarder l'écran devant nous, parfois avec les profs aussi, mais essayez d'intérioriser la pratique, de porter tout vers l'intérieur pour pouvoir après la porter à nouveau vers l'extérieur, l'attention. Allez-y, une dernière salutation pour vous-même. Inspirez. Utkatasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Arva Uttanasana. Je saute à Chaturanga. Vinyasa. Chaturanga Dandasana. Urva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe droite vers la poitrine. Expire, Virabhadrasana en inspirant. Expire, Vinyasa. Chaturanga. Urva Mukha. Adho Mukha. Inspire, jambe gauche vers la poitrine. Et Virabhadrasana. Expire, Vinyasa. Chaturanga. Urva Mukha. Adho Mukha. 5 respirations ici. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, regarde devant toi et saute entre tes mains. Expire, Uttanasana, bisou, genou. Inspire, Utkatasana, position de la chaise. Expire, Samastitihi. Très bien. On va se placer au bout de notre tapis ou au centre du tapis, comme vous préférez. Hop, écartez les jambes parallèles. Inspirez ici. Soulevez légèrement les orteils. Activez les orteils. Expirez et on va descendre. Toujours l'ombril vers la colonne. J'inspire, j'attrape mes orteils et j'expire. Et je rentre dans la flexion pendant 5 respirations. Je peux plier mes genoux. Je peux aussi me servir de mes briques si mes bras sont trop loin du sol. S'il vous plaît, priorisez cette relation, cet étirement entre votre bassin et votre tête. Ne descendez pas, arrondi. Sinon, on éduque notre corps à cette position. Allez, 6, 5 respirations de flexion. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. Mettez maintenant vos mains en dessous de vos pieds. Inspirez ici. Expirez. Flexion en avant. Si ça c'est trop compliqué, je peux tout simplement attraper ma sable et me maintenir ici. 2, 3, 4, 5. Inspirez, expirez. On va faire un grand pas vers la droite. Normalement, moi je l'ai fait vers la gauche parce que je ne vais pas tourner de l'autre côté. Très bien, Hashtapadasana.
Inspirez ici, préparez deux briques de la façon dont je les ai préparées maintenant. Mes pieds sont perpendiculaires, je ne sais pas si vous les voyez. Les talons alignés avec l'orteil. Les quadriceps, ces muscles-là, vont être activés tout le long de la pratique. J'active aussi mon nombril, je ne laisse pas mon nombril venir vers l'arrière. Oui, si je me mets des côtés, je vais maintenir toujours cette ligne et cette connexion. Et attention à ne pas cambrer votre dos quand vous descendez vers l'avant. Inspirez ici. Les bras poussent dans les deux directions. Moi, j'imagine que je pousse l'espace, que je pousse dans toutes les directions. Et je me souviens toujours de l'homme vitruvien de Da Vinci, cette sensation de 5 éléments. La tête qui pousse vers le ciel, les bras qui poussent dans les directions opposées avec un spirale centrale. Regardez les coudes, venez vers le centre, ne les portez pas vers le ciel, vers le centre, super, et cherchez votre milieu. Ceci est Hashta Padasana. Hashta, ça veut dire 5. Pada, ça veut dire pied. C'est quelque chose comme la position des 5 extrémités. Inspirez. Tournez votre pied droit à l'extérieur. Allez loin. Ce n'est pas nécessaire de déplacer son bassin pour essayer d'aller plus loin. Activez votre quadriceps pour protéger votre genou. Et rentrez en Trikonasana. Toujours avec votre respiration Ujjayi activée. Si vous arrivez ici, c'est très bien. Si vous avez besoin d'utiliser un brique à l'intérieur du pied, essayez d'aligner vos bras et de pousser vers le ciel avec les côtes, de rester aligné. 5 respirations ici. 2, 3, 4, 5. Inspire, reviens avec ton pied. Comme vous voyez, je regarde la main supérieure parce que la direction de mon mouvement est vers les selles, pas vers la jambe que je tourne. Inspire, jambe gauche, on va pousser côté de la jambe gauche. Expirez, 5, respiration ici, 1, poussez vers les selles, 2. L'important, ce n'est pas de descendre, sinon d'élargir, 3. Activez votre centre. 4. Et 5. Inspirez. Hashta Padasana. Super. Je reviens avec les jambes droites. Si vous sentez que l'écart entre vos jambes est trop grand, vous pouvez revenir toujours d'un petit pas. Il y a des tapis, je pense que c'est le tapis liforme. Il ne me paye pas pour vous dire ça, mais qui sont marqués avec vos lignes au centre pour vous indiquer la ligne. Inspirez, on va porter les bras gauche à l'extérieur de la jambe droite pour rentrer à Paribrita Trikonasana. Il se peut que vous nécessitez un brique à l'extérieur de votre jambe. Essayez de ne pas plier votre genou, dans ce cas c'est mieux de revenir, de raccourcir cette distance. Inspire, tension ici, expire, Paribrita Trikonasana, 5 respirations, 2, 3, 4, regardez votre pied derrière, il est bien appuyé, 5, inspire, reviens à Hashta Padasana, côté gauche, inspire ici, tourne à l'extérieur de ton pied, expire, 1, 2, 4, 5, inspire, reviens au centre, Samasthiti. On revient ici parce qu'on va écarter à nouveau un tout petit peu plus. Expire, écarte, inspire, tourne ton pied droit à l'extérieur et plie ton genou parallèle au sol. Ceci est un Virabhadrasana B,
un guerrier B. Mon torse est toujours perpendiculaire au sol, je ne vais pas ni d'un côté ni de l'autre, je reste simple. Mes bras aussi, et je veux plier la jambe dans la mesure de mes possibilités. Attention que toujours les pieds ont une petite tendance à se décoller. Maintenez vraiment votre poids centré avec le sol. Inspire ici. Expire, Parshvakonasana. On va venir à l'extérieur du pied et suivre la ligne avec l'autre bras. Essayez de pousser dans les deux directions, vers votre pied et vers le ciel, et de porter le regard à l'intérieur du bras. Si vous n'êtes pas confortable, on peut tout simplement appuyer notre coude sur la jambe. 2, 3, 4, 5. Inspire et pousse de tes jambes. Expire ici. On y va côté gauche. Je tourne ma jambe gauche. Je commence à Virabhadrasana. Inspire ici. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire ici. Expire. Le prochain Vinyasa Parivrita Vajrakonasana est un tout petit peu plus compliqué. Je vais tourner ma jambe droite à l'extérieur et soulever aussi les talons de mon pied gauche. Si je veux soit, je descends avec la jambe gauche au sol. Je vais maintenant opposer mon coude et rentrer vraiment dans la torsion. Inspirez, décoller ma jambe et seulement si je peux, j'appuie mon pied. 5 respirations ici. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez bien. C'est un Parshva Drishti. Le regard vers les coudes supérieurs. Je vais côté gauche. Inspire. Expire ici. Inspire. Et rentre dans la position. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Très bien. Arashtapadasana. Inspire ici. À nouveau. Hashtapadasana, pardon, ça m'a séduit, c'était la position précédente. J'inspire ici. Et quand j'expire, je vais poser les deux talons de la main alignés avec les talons de mes pieds. Oui, pour savoir où, je vais vous placer deux briques ici, dans la même ligne que mes talons. Oui, les mains ne vont pas devant moi, sinon derrière moi. Inspire, expire, essaye de poser les sommets de ta tête. Au sol. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, expire. Inspire ici à nouveau. Les mains à niveau de la ceinture. Moi, j'aime bien pousser un tout petit peu en bas vers mes cuisses. Expire long. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, remonte directement. Le drishti dans toute cette position est un asagra drishti. Il va au bout du nez. Inspire, croche tes mains derrière ton dos ou attrape tes coudes. Expire directement. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire directement, Hashtapadasana. Maintenant, on va attraper les orteils avec les mains. Inspirez, expirez.
Si ça, c'est vraiment trop loin pour vous, vous pouvez tout simplement écarter vos briques et vous maintenir ici. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, expire ici. Inspire à nouveau, expire. Samastiti. Vajrottanasana. Je vais à nouveau marcher. Mes pieds sont parallèles. Je vais faire un pas avec la jambe gauche en arrière et activer mon bassin. Mon bassin qui va avoir la tendance à se décaler, je l'active. Vous pouvez soit placer vos pieds, talons, dans la ligne de sortie, soit les écarter un tout petit peu à l'extérieur, ou même tourner les sorties de la jambe postérieure légèrement en dehors. Inspire ici. Soit on crochète les coudes, soit reverse namaskar. Oui. Les mains derrière le dos. J'expliquerai ces mouvements plus tard. Inspirez ici. Expirez. Bouge votre anasana. 2, 3, 4, 5. Inspirez bien. Expire. On peut tourner tout simplement côté opposé. On se soucie d'avoir la même distance entre les deux jambes. On inspire ici. On expire. 2, 3, 4, 5. Inspirez ici. Expirez bien. On relâche les bras. Très très bien. Maintenant, on va passer aux positions dans lesquelles on lève la jambe. Uttanasana, Parabhushtasana. Normalement, dans toutes les séries d'Ashtanga, jusqu'à ici, on considère que c'est l'échauffement. Donc, la deuxième série va commencer ici, la troisième série aussi. Là, on va commencer les standing poses qui appartiennent seulement à la première série. Donc, Uttita Hashtabhanangusthasana, Uttita Parsvasahita et d'autres positions. Et on finira après avec quelques finishing poses. On va faire aujourd'hui 3 finishing poses. Vous êtes prêts? Vous allez peut-être avoir besoin d'une sangle et aussi de vous tenir dans un mur si c'est le cas que vous n'arrivez pas naturellement avec la jambe. Je vous montre les vinyasas normales, les vinyasas qu'on pratique traditionnellement au moins dans mon école et il y a plusieurs écoles d'Ashtanga. J'inspire, je place ma main droite devant moi, ma main gauche dans la ceinture et je lance ma jambe droite tout directement. Je peux plier un tout petit peu ma jambe gauche pour rentrer dans la position. Inspire ici, expire, baisse au genou. 5 respirations ici. Mais ça peut être très avancé pour plein d'entre vous. Donc tout simplement, on va pouvoir porter les genoux à la hauteur du bassin, okay? Les genoux vers la poitrine, mais c'est pas ma main qui tire du genou, c'est vraiment ma jambe qui se soutient. Une autre option est celle-là dans laquelle hop, je veux attraper ma jambe, inspirer et maintenir ici. À nul ne sert de tirer avec son bras, hop, même si vous pouvez plier les genoux si besoin. Mais c'est surtout la jambe qui doit se tenir elle-même, ok? Allez-y, choisissez la variation qui vous plaît le mieux. Inspirez ici. Et 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, expire. Uttita Parsvasahita. Attention à ne pas remonter votre genou vers le ciel, ce n'est pas de tout ça. Je garde mon bassin parallèle et c'est seulement ma jambe qui remonte.
Option B, je porte mon genou plié et je maintiens la position ici. Les drishtis, si possible, côté opposé. Et 1, activez votre centre. 2, ujjayi, la respiration de la gauche semi-fermée. 3, 4 et 5. Inspire, petit bisou au genou. Expire ici. Oupa, je perds l'équilibre. Inspire, maintiens ta jambe. 1, 2. Ne soulevez pas votre bassin, porte-le encore une fois vers le sol. 3, si vous êtes fatigué, pliez le genou. 4, 5, relâche ta jambe. Reviens à Tadasana un instant. Inspire ici. Je prends toujours cet instant pour observer. Et il y a un ancrage très différent. Quelque chose qui se passe au niveau de mes pieds, qui enracine mes pieds. Très bien, j'inspire. Et jambe gauche, je peux toujours plier un tout petit peu la jambe droite. Inspire ici. Expire, 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Uttita Hashtapash Vasahita. 1, 2, 3. 4, 5, inspirez bien, expire, visse au genou, inspire, maintiens, 1, 2, 3, 4, et 5, relâche ici, inspire. Super. Dernière position, debout, dernière standing pose avant d'aller aux positions finales. Cette position peut être un peu blessante pour les genoux, donc je vais vous offrir deux variations. Je vous montre la première et puis je vous montre la deuxième. La première, Adha Baddha Padma, Paschimottanasana. Je vais porter mon talon sur la haine, ici, sur la cuisse, et relâcher mon genou. Inspire, attrape derrière ton dos, expire, flexion vers l'avant. Si cette position est trop avancée pour vous, vous avez deux options. La première option, Vrakshasana, position de l'arbre. On peut relâcher, la faire un tout petit peu plus basse et on peut descendre ici. Hop. La deuxième possibilité, tout simplement, on descend notre talon et on y va un peu plus profond dans la flexion. 3, 4, 5, inspire et reviens. On refait côté opposé. Vous pouvez aussi utiliser votre sangle. Il y a plein d'étapes pour cette position. Pour, je tourne mon mollet, je porte mon talon et j'attrape ici. Ça va me permettre en plus de maintenir mon bassin de façon plus équitable et pas soulever d'un côté. Inspire. Expire. Et 1, 2, 4, 5, inspire, expire, Samastitihi. Super, on arrive presque à la fin de cette pratique, d'Ashtanga première série Standing Pose, et on va pratiquer trois positions finales. On appelle ça les positions finales parce qu'elles nous servent à accumuler l'énergie qu'on a déployée, à détoxifier le corps et aussi à nous rassembler, à venir un peu vers les centres à la fin de la série.
La première position que on va pratiquer s'appelle Setu Bandhasana. On vient au sol. On va appuyer ici nos pieds plus ou moins en contact avec le bassin et attraper les talons ou les dos du pied avec les mains. Si vous avez des difficultés à le faire, vous pouvez utiliser la cingle devant les dos de vos pieds. Pour nous assurer que les jambes sont bien activées entre elles, on peut maintenir un brique entre les genoux. Oh, il y a ma machine à laver qui s'entrefouche. Inspirez, poussez le bassin vers le ciel et vers les épaules. 1, 2, 3, 4. Cette position, on va la maintenir 10 respirations. Les finishing poses, on les maintient toutes 10 respirations. 7. 8, 9 et 10. Hop, j'enlève ma sangle, j'enlève mon brique et je vais venir dans un Paschimottanasana. Étirement de l'ouest, étirement vers l'avant. Je peux garder un brique en dessous de mes genoux. Ça dépend de votre souplesse. Vous pouvez les replier si besoin. Et un deuxième brique en dessous des métallos. Également, je peux à nouveau me servir des massages. Oui. Une autre option, si j'ai déjà une pratique plus importante ou que je me sens tout simplement à l'aise, c'est de garder les briques devant vos pieds. Vous pouvez sortir les ischios jambiers, les ischios en arrière. Activez votre nombril vers le ciel. Expirez ici. Inspirez. Paschimottanasana. 10 respirations ici. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9 et ici il y a plein de petites activations soit à l'extérieur de mes jambes, soit à l'intérieur dans mes muscles internes. Très bien. Sarvangasana, la chandelle. On va travailler avec les tapis pliés. Donc vous pouvez tout simplement repliez votre tapis, comme ça. De façon à avoir une distance, une petite distance pour les épaules. Si vous avez aussi une couverture pliée, vous pouvez l'utiliser. Pas top, un coussin qui soit mou, c'est une surface dure. Et on va plier les bords de l'épaule avec les bords du tapis. Cette position n'est pas recommandée si vous avez des problèmes dans les yeux, de l'obésité, des problèmes de thyroïde. Bon, il faudra voir avec votre médecin si vous avez la menstruation ou surtout si vous êtes enceinte. Comme toute la pratique d'Ashtanga en général, sauf à indiquer. Inspirez ici, portez les genoux d'abord vers la poitrine et placez-vous bien au bord du tapis. La cervicale n'est pas du tout dans le tapis. Je vais inspirer ici et d'abord porter les jambes vers le ciel. Les jambes vont être bien ensemble. Vous pouvez aussi tenir quelque chose entre vos jambes, la sangle ou une chaussette. Ok? Je vais inspirer à nouveau et porter légèrement au-delà de l'axe de mon bassin et pousser vers le ciel pour porter mes bras derrière mon dos. Si je suis très confortable, je peux joindre mes mains et marcher avec mes épaules. Si je ne suis pas assez confortable, je reviens
et je maintiens 2 respirations ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Halasana, les jambes vont venir derrière ma tête. Et mon bassin va rester toujours aligné avec le sommet de ma tête. Si c'est trop dur pour moi, je peux toujours maintenir les jambes un tout petit peu plus hautes, en portant les briques derrière moi. Hop. Voilà, voilà. Halasana, 10 respirations ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Revenez vertèbre par vertèbre. Et tout simplement, préparez-vous pour entrer dans Shavasana. Shavasana, position de repos, position finale de la pratique, dans laquelle, hop, on va tout simplement s'allonger, se couvrir si on a besoin. Et on peut porter nos mains sur la poitrine, nos mains sur le nombril, ou relâcher complètement nos bras. Relâcher notre respiration. Très bien. Pendant votre Shavasana, je vais chanter les mantras des clôtures de la pratique, les Mangala Mantras. Si vous avez envie, vous pouvez les chanter avec moi et faire votre Shavasana après la fin de cette vidéo. On inspire ensemble. On inspire. Et on inspire pour chanter. Svasti prayabhyam paripalayantam Nyayena margena mahi mahi shaha Go brahmane vyashumasu nityam Loka samasta sukhino vavantu Om shanti shanti Shanti. Prenez un instant pour remercier la pratique, remercier votre corps, vos émotions, vos pensées. Prenez un instant pour exprimer de la gratitude envers les mondes ou les personnes qui vous entourent. Et je vous dis namasté. La lumière à moi, salut la lumière à chacun d'entre vous. N'oubliez pas de partager ces vidéos, ça va pouvoir aider probablement beaucoup de monde qui est confiné à la maison. Et à moi personnellement, ça m'aide si vous me laissez un like, si vous vous abonnez à mon canal et si vous voulez aussi laisser un don, un PayPal. Je vous remercie et à demain, à la même heure, où il y aura une pratique surprise avec Céline Chéa qui sera avec moi. Ciao, ciao, ciao! Au revoir!